the finish, my friend, this is the end. It's a revolution, it's a civilian revenge. There's no need to move or adjust your television. Whenever an era dies, another era begins. These American fights, these American wars, these American stripes, these American stars. But these American cages have American bars. We hungry for truth, so we headed for y'all. Towers are crumbling, bridges are falling, limits are fading, the normal is boring. Looking at time move progressively forward, looking at days just fast performing. You wanted a Benz, but you couldn't afford it. Now you were killed to put your foot in the Taurus. The dip from the madness, and never look backwards. But this is a crisis, prepare for disaster. Bienvenue amis gamers, amis gameuses, ici Emulac.factoriel. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Far Cry 3 pour un nouveau épisode de Farcraft. Donc vous avez pu le constater ces temps-ci, je fais pas beaucoup de vidéos à cause des fêtes de fin d'année. Donc voilà, j'espère que le Père Noël vous a gâté et que vous avez passé un bon réveillon. Donc moi, de mon côté, je vous souhaite une bonne année 2013, plein de bonheur, d'amour, d'argent, de tout ce que vous voulez, tant que ça vous plaît. En tout cas, moi j'étais assez surpris, si vous voulez, du nombre d'abonnés qu'on a gagné sur la chaîne. Bon, c'est pas énorme, hein, mais à mon échelle, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je voulais les remercier, je voulais remercier aussi mes abonnés. Et voilà, j'espère que ça va continuer. En tout cas, ça m'a fait chaud dans le cœur, enfin chaud dans le cœur, ça dit pas, mais chaud au cœur. Juste assez pour pas avoir une crise cardiaque, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc je vais arrêter de papoter. D'ailleurs, j'ai pas mal d'annonces à faire dans cet épisode. D'ailleurs, on va tester une map de Extreme Zag, donc qui s'appelle Entrepôt. Voilà. Alors, j'adore les tags embrouillé, grand, plat, campeur. Voilà. Donc, donc voilà, une map d'Extreme Zag. Donc c'est parti. Donc voilà, donc je suis assez fier de cette fin d'année. Faut dire qu'on a, carburé quand même. Je vais avoir pas mal de petites annonces, donc d'annonces à faire par rapport à la chaîne et à la série Farcraft. Donc déjà, vous allez pouvoir constater que la map entrepôt est une map assez... c'est pas une map qui correspond aux autres maps que j'ai testées, par exemple de Morpho de IGSK8. Vous allez pouvoir le voir, je vais vous expliquer quand on y sera dedans. C'est vraiment une map à part. Vous allez voir. Enfin, voilà, je parle beaucoup, mais vous allez voir. Donc, le temps que ça charge. Donc, je voulais remercier Extreme Zag pour m'avoir contacté justement pour tester sa map et. Il va m'avoir donné quelques idées quand même, pas mal, donc je vous en parler en même temps dans la vidéo. Vous voyez là un peu la vue d'ensemble de la map quand même qui est hyper bien faite. C'est parti. Nous allons reprendre. Je suis parfait, j'ai bien respawné, c'est parfait. Donc, alors pourquoi cette map est différente? Alors, par rapport aux autres maps que j'ai testées, donc cette map ressemble plus à une map de COD, si vous voulez, de Call of. Ou d'un Counter-Strike par rapport à sa taille. Bon, elle n'est pas hyper petite, hein, elle est plus grande que Atlantis, il me semble. Mais il y a pas mal de bugs de texture, par contre, dans cette map, vous allez pouvoir le constater. Comment dire, elle est d'une taille moyenne. Mais si vous voulez, la disposition des bâtiments et enfin de la map, quoi, fait que l'action est non-stop. Enfin, j'imagine que l'action est non-stop, donc voilà. Donc là, je voulais montrer qu'il avait un petit bug, voilà. Ça, c'est peut-être la faute à Ubisoft, je sais pas. En tout cas, Extreme Zag fait pas mal de mises à jour, donc les bugs, si vous en voyez dans la vidéo, c'est susceptible d'être corrigé. Par exemple, vous voyez les bugs des textures là-bas, bon. Donc voilà, on va commencer notre visite guidée. Donc voilà, vous voyez que c'est un peu un port, bon, vraiment un petit port, hein, d'affrètement pour la marchandise, vous voyez. Le petit bateau et tout, bien sympatoche.
Ça, c'est un peu le mot sympatoche, ouais, faudrait que j'évite de l'utiliser si je veux pas perdre des abonnés, justement. Donc là, il y a plusieurs chemins, je peux peut-être pas passer par là, je voulais passer par là, voilà. Donc vous allez pouvoir constater que cette map est super, qui fourmille de détails, ça aussi, je le vois de plus en plus. Donc on va passer par cette route, vous voyez. Ah oui, aussi un nouveau truc aussi que je trouve sympa dans cette map, voilà, il y a encore des bugs de texture. Vous allez pouvoir constater que un truc qui nous vient, donc là je monte sur le château d'eau, comme ça on va avoir une super vue. Un truc qu'on a pu voir dans Battlefield, c'est, si vous voulez, la zone de jeu. Donc je sais pas si vous voyez sur le radar en bas à gauche, il y a des zones grisées. Et là on voit assez bien quand même, par exemple là-bas, vous voyez que c'est gris, si vous regardez sur le radar en bas à gauche. Par exemple là-bas je ne peux pas y aller. Donc ça sort un peu de Battlefield si vous voulez. Et moi je trouve ça assez bien, comme ça il peut faire même le décor autour, ce qui est assez fabuleux. Donc moi j'adore. Ça aussi on n'avait pas vu dans les autres maps. Donc vous voyez là, on voit pas assez bien quand même la map. On a une super vue d'ensemble, donc vous imaginez un peu le mec qui tire là, qui a une super vue sur le où on dépose la marchandise là et sur les entrepôts. Donc je vais vite descendre, je vais essayer de pas me casser la gueule. Descendre doucement, coco. Vous voyez que j'ai un super bide aussi, donc ça c'est les fêtes de Noël. Donc on va passer par à droite là. Donc en même temps, voilà, je voulais faire des petites annonces. Donc, alors, je vais vite fait vous montrer. Donc là, je voulais montrer vite fait montrer à Extreme Zag. Donc là, faut éviter de tomber ici parce que tout à l'heure, j'ai fait une thèse justement de la vidéo et je suis tombé là. Donc la porte, on peut pas passer et on peut pas sortir d'ici. Donc voilà, c'est pour un petit message à Extreme Zag. Donc il y a encore pas mal de, malgré que la map soit super, hein, ça, y a pas photo. Il y a quand même quelques petits bugs encore qu'il faudrait corriger. Et en plus, il y a pas mal de spots. Je vais même vous faire une petite surprise à la fin si vous êtes gentil. Donc, voyez, on peut monter sur les toits. Regardez, olé. Donc, ça, c'est voilà. Je vais vous montrer un peu la zone de jeu. Regardez, c'est ça. Ça donne ça. Voilà, la Battlefield. Attention, retournez dans la zone de combat. Donc, si vous imaginez que dès que le décompte finit, on est dans le caca. Là, je vais essayer de descendre sans me tromper, casser la figure. C'est un peu risqué. Je vais passer par là. Donc voilà, je vais faire quelques annonces en même temps que je vous fasse montrer un peu. De toute façon, j'ai pas trop besoin de parler normalement. Donc, avec mon ami Drogba-13-OM, enfin Drogba-13-OM, c'est un peu mieux déjà de dire comme ça. On a investi, si vous voulez, dans un game capture HD, donc ça devrait arriver dans la semaine si tout se passe bien. S'il n'y a pas une attaque terroriste à la poste, ce qui je pense n'arrivera pas, donc normalement ça, tout se passera bien. Il y a des bugs d'espalier aussi, ça il était en train de les corriger quand j'étais en train de parler avec lui. Enfin, je parle d'Extreme Zag là, hein, pas de Drogba. Donc voilà, on a acheté un Game Capture HD, donc normalement, cela j'utilise un Dazzle, vous êtes pas censé savoir, mais j'utilise un Dazzle, donc la qualité j'avais réussi à la pousser assez loin quand même. Voilà, Game Capture HD, ça nous permettra de passer un palier. D'ailleurs, j'ai un nouveau micro aussi, je sais pas si vous l'entendez. Donc voilà, on essaye d'améliorer un peu le confort de vidéo, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et puis, Drogba en profitera aussi pour faire des vidéos, car ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu sur la chaîne. Donc notamment sur FIFA, donc j'espère aussi qu'il fera d'autres vidéos sur d'autres jeux, hein, pourquoi pas. En tout cas, ça sera un autre point de vue par rapport à la chaîne. Si vous m'aimez pas trop, voilà, ça se pourrait. Je suis pas parfait. Donc voilà, ça serait un plus pour la chaîne en tout cas. Donc voilà, ça c'est l'annonce par rapport à la chaîne. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'autre en vue. Je voulais aussi remercier, je sais plus comment il s'appelle. C'est lamentable de ma part. C'est Drogba qui fait un peu le. J'ai pas vu qu'il y avait un tank ici. C'est Drogba un peu qui fait un peu ça, mais il y a un mec qui est en train de nous faire un background, si vous voulez, sur YouTube. Et j'ai pu voir les premières versions. En tout cas, je le remercie, c'est super bien fait, c'est super beau. Voilà, donc on en avait réellement besoin. En tout cas, je le remercie de nous aider. Surtout qu'il ne demande pas récompense, donc voilà. C'est super de voir encore des personnes qui s'entraident comme ça. Donc vous avez pu voir que j'ai pu monter sur le toit, là. Je vais vite refaire un tour, parce que je parle beaucoup. Voilà, le petit hop.
Donc vous pouvez voir qu'on monte sur les toits, donc ça c'est aussi pas mal. Ça me rappelle la map, voilà, je l'ai plus en... je l'ai plus en tête. Bon, c'était une map où on pouvait monter sur les toits sur Black Ops, c'était un DLC, je sais plus comment ça s'appelle. Aïe aïe aïe, je suis vraiment bon. Je crois que je suis atteint d'Alzheimer depuis quelques temps. Bon, enfin bon, en tout cas, c'est vraiment pas mal de monter sur les toits. Voilà, je me suis cassé la figure, je voulais pas. C'est lamentable. Là, vous avez pu voir que j'ai pu monter sur les escaliers là en passant par là. On peut passer par le port, donc voilà. Et je vais aussi monter par là. Et là encore, on peut encore monter sur les toits. D'ailleurs, c'est fait exprès, vous allez pouvoir constater que c'est fait exprès. Regardez, on peut passer, tout a été fait justement pour... Ah, il y a une échelle et tout pour pouvoir monter. Enfin voilà, c'est vraiment... Il y a même ici une sorte de mini-route, vous voyez. On peut passer comme ça, par rapport au port. Donc, je descends vite fait. Donc là, il y a pas mal de bâtiments, je sais pas si vous avez remarqué. Mais ils sont vides, donc c'est pas Extreme Zack qui a eu la flemme de... Ouais, il s'est dit, bon, il y a Dora l'exploratrice à la télé, je vais vite fait sauvegarder et je vais aller jouer, enfin je vais aller regarder quoi, non, non, c'est pas ça. C'est que la limite, si vous voulez, d'objets par rapport à la map a été atteinte. Justement, ça évite les ralentissements et tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas pu placer plusieurs objets. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà assez détaillé comme ça, faut pas non plus... Là, je vous montre aussi qu'on pouvait passer par là. Donc, il y a pas mal de spots. Bon, là, si vous voyez, si je tombe ici, je suis foutu. Ouais. Donc, on va éviter de faire l'idiot. Je sais même pas si je peux pouvoir. Ouais. Vous voyez qu'il y a pas mal de spots. Regardez. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc, aussi, je voulais. Donc, ça, c'est. C'est une idée dès que j'avais, mais vraiment. Vraiment au coin de la tête, quoi. Mais Extreme Zag m'a fait une. La ressortie, si vous voulez, c'était faire des critères de notation justement pour Farcraft. Même passer par là, oui. Des critères de notation pour Farcraft. Donc moi, ça me plaît, franchement, de noter vos maps. Hein, déjà, ça peut vous permettre justement, si elle est bien notée, de continuer sur cette voie-là, de vous inviter à justement à continuer à faire des belles maps. Et si elle est mal notée, malheureusement, bah de l'améliorer justement et pouvoir pas. Pourquoi pas de refaire une vidéo justement pour voir l'évolution un peu de la map. Donc voilà, donc je sais pas encore les critères, je vais peut-être faire un sondage, voilà, laissez vos. Je vais faire un sondage peut-être sur le forum de judo.com pour justement pour vous donner justement vous les critères que vous auriez mis justement par rapport aux maps. Donc l'originalité. Par rapport au bug, enfin voilà quoi, la fiabilité, voilà ce que je peux dire, enfin pas mal de trucs quoi. Donc voilà, je ferai ça dans le forum, en tout cas j'espère que vous allez m'aider justement à faire ça. Donc il reste 20 secondes, et je vais montrer vite fait. Alors vous avez pu voir qu'il y avait pas mal de spots, hein. Il y en a un qui est sympa, c'est celui-là. J'essaie de rentrer tout doucement, voilà. Comme par hasard, j'arrive pas à y aller. Normalement j'arrivais, voilà, super, je suis bloqué. Bon, si vous voulez, normalement je pouvais, oui, j'arrive plus à bouger. Bon, si vous voulez, normalement je pouvais rentrer dedans, enfin même là, c'est pas mal. Donc voilà, bon là, vous avez pu voir, bon, j'ai pas beaucoup parlé de la map, enfin, je l'ai montré, mais j'ai pas beaucoup parlé de la map. En tout cas, elle est vraiment pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci. On se reverra sûrement sur d'autres jeux ou sur d'autres épisodes de Farcraft. En tout cas, cette map est super bien. Je remercie encore Extreme Zag pour m'avoir passé sa map. Voilà. D'ici là, ne rage quittez pas, soyez bons joueurs. Et encore bonne année tout le monde. Allez, ciao.